devant les goulots ici. C'est pour faire fuir les chats en fait. Allez, tu peux commencer. On va jouer à la bataille. Il fait bon, c'est mis dans le jardin. Ouais. Aïe. À toi. Attends, je ne le mets pas dans mon paquet. Tu le mets en dessous. Voilà. Pour une fois qu'on a du soleil, parce qu'on n'a que de la pluie, pluie. Aujourd'hui, soleil, donc on en profite. On se met dans le jardin, mon linge il sèche tranquillement, là aussi, là, hop, bon. À toi. Le gamin, je ne l'ai pas mis à l'école aujourd'hui, parce que mardi, cette semaine, là, on est jeudi. Ah, ben on est le 1er, tiens, on est le 1er juillet. Mardi, je suis rentrée à l'hôpital là, pour passer au bloc pour enlever mon stérilé. Ouais. Et puis bon, tout s'est bien passé, hein, tout s'est bien passé, tout ça. Mais là aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre le gamin à l'école. De toute façon, c'est les vacances là bientôt. Ils ne travaillent plus, ils font plus rien. Ah, on a fait un jeu de société aussi, c'est. Attendez, je vais vous faire voir. Tête d'œuf. Tiens, tu le fais voir, Alan. Tu prends le téléphone, il va vous faire voir. Non, mets pas ta main comme ça devant, tu me caches la caméra. Mais c'est bon, t'inquiète. Viens ici à côté de mon côté. Mais c'est bon. Voilà. Et tu expliques en même temps. Mais je ne sais pas comment expliquer. Ah, tu dis qu'il y a des coquilles d'œufs, ça se présente. Bah, il y a des coquilles d'œufs. On doit mettre de l'eau dedans ou bah, du lait, je ne sais pas. Avec, bon, on doit les fermer après qu'on met le lait ou je ne sais pas. Et après, on a une roulette. Filme bien, Bah, c'est bon. Je filme bien. Après, on a une roulette, je ne sais pas où elle est. Dans le sachet, là, qu'il y a à faire. Bah si je mets... Pardon, attends, t'inquiète.
on a une roulette. On a une roulette comme ça, avec une flèche. La flèche, on doit la mettre au milieu. Mais on voit rien aussi. Mais si, t'inquiète pas. Donc ça se présente comme ça. On met la flèche. On doit tourner. On doit tourner. Hop, là c'est entre la... les cartes. Deux œufs. Deux œufs. Donc là, il y a un règlement. Hein. Par deux exemple, deux œufs, on doit taper deux œufs sur notre on tête. On doit casser deux œufs sur la tête du. C'est du voisin ou à toi sur ta... Non, sur ta tête à toi. Sur ma tête. C'est quand il est marqué, par exemple, casser un œuf à votre voisin. Par exemple, regarde. Donc, voilà. Regardez. Passe ton tour. Il y a passe ton tour. Un œuf. Sur un autre joueur. Voilà, sur un autre joueur. Ici. Donc quand ça tombe là, il faut casser un œuf sur un autre joueur. Voilà, fais voir la boîte si ça intéresse. La boîte, c'est, il s'appelle Tête d'œuf. Et la boîte, c'est... Attends. C'est ça. Attends, je suis trop petit. Attends. Je vais mettre sur la bordure. C'est ça. C'est ça, comme ça. Attends. Voilà. On va acheter à... Ah, Poppy, pas très ouais, ça. Là, c'est la zone qui s'appelle comme ça. Stokomani, je crois. Ouais, si, Stokomani. 10 euros. 10 euros. Voilà. Donc maintenant, on joue à un jeu de bataille. Et maintenant, moi, j'ai mis la carte à toi de jouer, hein, oui, attends, je mets ça dedans. Parce que là, on laisse les œufs sécher. Parce que j'ai joué avec les œufs. Voilà. Tu peux couper? Tu peux couper? T'es pas la belote, hein? Non, mais coupez. Voilà. Hop. Voilà, donc, un petit jeu de bataille. T'as joué à moi. Alors, qui est-ce qui a mis le valet? C'est moi. C'est toi. Hop. Oh non. Du coup, c'est toi. Ah, moi. C'est ça, c'est mes cartes, ça? Ouais. Voilà. Hop. Yes. Yes. Bon, voilà. Faire voir qu'est-ce que après je dois aller au collège là à 16h déposer le dossier du petit. Moi je reste à la maison. Le petit passe au collège là en 6e en septembre. Donc à fond dedans hein, parce qu'il veut comme métier plus tard il veut être développeur de jeux vidéo. Donc je lui explique qu'il faut travailler à l'école. Voilà mes petits chats. Il faut lui dire aussi par commentaire, faut lui dire Alan, il faut travailler si tu veux en faire ton métier. Voilà, donc défi. Mettez en commentaire. Bonjour mes petits chats, comment allez-vous? Eh bien, moi je suis la plus heureuse des femmes. Vous savez pourquoi mes petits chats? Parce qu'il y a du soleil. Bon, aujourd'hui prévoit 24, mais à partir de demain, il n'y aura plus. Regardez comment ils ont bien poussé mes géraniums, vous voyez, c'est désolé parce que du prix de la tondeuse, c'est là-bas, la ruelle au-dessus, là, et monsieur Ito, voilà, petite piscine qui chauffe, le palmier, ah ben ça va, il se redresse, puisque la feuille-là, celle-là, elle était vraiment retombée, et elle était gorgée totalement qu'il n'y a plus, du coup, mon mari, moi, on l'a portée, parce que c'est lourd, pour la mettre au soleil. Et je vois que la tige là, elle s'est redressée. On va aller lui acheter un pot, là, ce week-end, un gros pot, là. Parce que là, apparemment, elle n'a pas de place, elle a l'air d'être étouffée. Et puis, ma lycée, je suis dégoûtée, quoi, j'en ai pas profité longtemps. Alors, je sais pas si ça repousse ou je sais pas. C'est la première fois, alors, je sais pas du tout. Elle m'a fait des belles fleurs bien roses, roses. Rouge, rouge vif, en plus, enfin, rouge mauve, quoi, rouge violet. Et là, pour rien, mais je sais pas si ça reprend. Dites-moi en commentaire, parce que moi, je, au niveau des lisses, voilà. Là, c'est mon teint qui a bien pris. Ben là, c'est mes sapins. Voilà. Mon mari a voulu les tailler, mais là, la forme, quoi. Je lui ai dit, mais touche pas. Vous voyez, la forme, regardez, ça fait des trous et tout. Alors là, celui-là, il est bien touché. Regardez, ce que le devant, il a pas touché. Il n'a pas touché au devant, mais il a fait derrière. Alors derrière, il n'y a plus rien. Je ne sais pas si... Attendez. Hein. Regardez, il n'y a plus rien derrière. Parce qu'en fait, il les a trop collés. Quand on arrivait ici, c'était petit. Hein, c'était des sapins. Hein. Et il les a trop collés, en fait. Il les a trop... Mais là, il n'aurait pas dû toucher, quoi.
Enfin bref. Donc là, ce soir, il rentre du boulot, il va tondre. Il va tondre. Il y en a besoin. Voilà, on va rien déballer. On va tout remettre en place parce que demain, il repleut. Et ce soir, on va manger chez ma fille. Ouais. Voilà. Bon, je vais aller prendre ma petite douche. Et puis après, je vous reprends sur trépied parce que je vais plier mon linge. Là, j'ai une machine qui tourne et j'en profite qui refait. Bon, aujourd'hui, il me reste 3 machines à faire. Je crois que je vais les faire tout de suite aujourd'hui. Comme ça, je vais être tranquille. Et puis, je vous reprends sur le trépied après.
avec le même petit chat, bah, je fais coquillette. Alors, coquillette avec du blanc de poulet, tomates cerises, dedans il y a des champignons, de la crème et puis plein d'épices, quoi, sel, poivre. J'ai mis gingembre, paprika, du rasalmout, voilà. Donc on va manger moi et le petit ça ce midi. Ce soir on mange chez ma fille. Ah ouais, je ne vous ai pas dit la date, je crois. On est le 2, on est vendredi 2 juillet. Et il est mes petits chats, midi 41. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo. Voilà, donc je remettrai une vidéo la semaine prochaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Donc là, il y a du linge dehors et puis il y en a une autre qui tourne. J'ai mis les chaussettes, qu'est-ce qui est chaussettes et torchons. Voilà, 60, comme ça, ça décrase bien. Bon allez, je vous laisse, je vous dis un bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, liker, mettre un petit commentaire. Là, je vois encore un abonné. Je suis très contente. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Donc, s'il vous plaît, continuez. Merci. Allez, bisous, mes petits chats. À la semaine prochaine. Bisous.